Parfait, parfait. C'est vrai que je suis vraiment quelqu'un de considéré. Hein. Ça va que je suis vraiment quelqu'un de considéré. Alors, droit de visite. 3 tables de parloir, une salle commune, une table de billard, 2 télévisions et 5 cabines téléphoniques. J'ai pas les sous pour ça, n'est-ce pas? Mais l'avance. L'avance, brave Jean, fait plaisir. Hein, contre-mettre les serveurs, 2 concierges et 1 jardinier. Ça, normalement, c'est de l'argent gratuit. Argent gratuit! Santé, bien-être, une infirmerie et 2 médecins, un psychologue. Eh ben, j'ai clairement pas ça. Construction rapide, une infirmerie, à quoi que ça ressemble. C'est un peu gros ça quand même. Hein. C'est un peu énorme. Hein. Si jamais je dois construire une infirmerie pour la dame. Attestation de sécurité de base, un chef de sécurité, 10 gardiens, patrouille dans l'administration et 3 gardiens à des patrouilles. Ça c'est de l'argent gratuit j'ai envie de dire. C'est presque de l'argent gratuit, ça. On peut faire des patrouilles? Ah non, j'ai pas recherché les patrouilles. Ah! La recherche des patrouilles. Putain, les patrouilles, Pujol! Pujol, les patrouilles! Putain! Éducation, on s'en fout. Micro-gestion. On s'en fout. Oh, putain! T'as prévu la libération des prisonniers? Bien sûr que non. Ils restent ici jusqu'au bout si tu veux. Genre les prisonniers, ils ont cru c'était la liberté, subitement. Qu'est-ce qui se passe? De 3, 4, 5, 6, 7. Merde, ça peut pas faire 2 bureaux, ça, du coup. Je voulais faire 2 bureaux, là. Apparemment, on pourra en faire qu'un. Putain. C'est tellement inefficace! Parfait. Pas le choix. Allons-y. Ok, voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors. Pouf, donc ça c'est cool. Une porte. Il me faut une porte. Porte du personnel. Pouf, ça c'est bien aussi. Voilà, impeccable. Et enfin ça. Démonter. Voilà. Et donc là, normalement, on est bien. On a accès un peu à tout, un peu à rien, et on a de quoi faire 1000 bureaux si nécessaire. Pièce, bureau. Putain. Merde. Bon, pas de panique. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Top 10 des urgences. Plus de prisonniers. Et merde. Je suis pas prêt. Ça se fait des bureaux de 3 de large ou pas? C'est quoi la taille d'un bureau minimal? 4 x 4. Merde.
Comment que je vais travailler ça? Comment que je vais arranger ça intelligemment? Deux, trois, quatre. Je pourrais augmenter la taille du pénis, hein. Pour l'instant, on va pas faire ça. Bureau. Ok, pas mal. Pas mal, 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 pas mal. Contrôle clic. Non, mage clic. Double clic. Ah, super. Classeur, j'ai dit. Là, voilà. Impeccable! Oh, impeccable! Et que quelqu'un me détruise cette porte. C'est honteux. Espèce de débilus! Oh la vache! Oh la vache! Ok, pas s'énerver, pas s'énerver, pas s'énerver. Tu fais ça manuellement après tout, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Ça va d'autant plus vite. C'est d'autant plus efficace. Oh la vache! Ah non, mais le niveau de débilisme. Voilà, Dieu merci! Ah non, mais Christ, quoi! Christ! Ok. Construire une salle commune. Pour une salle commune, il faut que ça fasse quelle taille à peu près? Sur quoi je vais mettre juste une porte. Voilà. Est-ce qu'ils marchent mes détecteurs de métaux? Est-ce que ce jeu seulement réussit à détecter quoi que ce soit? Famille, luxuries, ouais. Pas la place, pas les moyens, tant pis.
Où est... Ah voilà, une plante en pot. Voilà, une petite plante en pot. Ça va pas changer grand chose, mais moi j'ai l'impression que c'est joli. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin que tu viennes là, j'ai besoin que tu me dises ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis psychiatre et je me suis pendu. Et toi, à quoi tu as joué? Parce qu'en plus, c'est même pas ma classe ici. Hein. Donc ça va être impeccable. Ah, ça se matelasse tout seul, voilà la réponse. D'accord. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On ne saura pas ce qui s'est passé. Voilà. Ok. À cela, on va rajouter une plante en pot. Et une jolie lampe. Parce que nous sommes considérés des besoins de notre nouvellement employé psychiatre. Incroyable. Ainsi qu'un psychologue qui va maintenant bénéficier d'un bureau. Et qu'est-ce qui a besoin d'un autre bureau? Rien hein, pour l'instant. On est bien. Ok. Fantastique. Le bureau du psychologue. Avec des revêtements de parquet ultra chers. Ultra cher! Ah! Afin d'augmenter leur taux de contentement. Voilà, ça a coûté cher, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. En attendant, sans paniquer, on démonte quelques arbres supplémentaires. Tout ce staff pour garder 5 Pégus, ça va venir! Ça va venir, ça va venir. D'ailleurs, on est presque prêt. Pourquoi j'ai une caméra de sécurité qui ne... Donc, bon total de connexion, 9. Ah. J'ai bien peur que cette caméra ne soit redondante. Ça, et il me faut des transformateurs. Cher. Mais on est presque à la limite de ce qu'on est capable de produire anyway. Que fait ce bout de bois là? Merde, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Voilà. Fantastique. Drelin, drelin, à moi l'argent. Super. Une famille attend de rendre visite. Ok, déchetterie, les exports, imports, l'argent va rentrer. Vran, les exportations. Ok. Il me semblait avoir mis des gens au déploiement. Apparemment, non. Très bien. Je suis ravi de savoir que ce n'est pas le cas. Alors, 1 et 2 gardes là-dedans. Hein, si possible. Genre 2 gardes là, constamment.
voire 3. 2 à la cour et 1 à la cantine. Si possible. Si ça vous dérange pas trop, hein? Ça vous dérange pas de faire le taf. Après, 2 caméras de sécurité. On peut avantageusement la déplacer dans la salle de sécurité. Nombre total de connexions, 10. Mon cocktail actif, 8. Pourquoi il y a 10 connexions? Pourquoi? Attends, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais non, mais tu dis de la merde. Très bien, bon. En tout cas, le psy, il est là. Le psy, il est là. Bon. Revêtement en dalle de béton. Voilà. Petite décoration histoire que ce soit sympa. Ça prend de la gueule, hein. Ça prend de la gueule, hein. C'est un immondice, hein. C'est une horreur, mais... mais ouais. Ouais. Tout va bien. En tout cas, tout ceci fonctionne. Tout ceci fonctionne. Bon, cette surveillance ici est un peu foireuse, je le reconnais bien. Mais bon, au moins, ça balaye, si tu veux. Cette caméra serait beaucoup plus à même de surveiller si on la foutait genre là en fait. Et par contre, j'ai une question. Est-ce qu'il y a bel et bien un mur pour nous protéger ou pas du tout? Ah bah non, il n'y a pas de mur. Bah, fantastique. Bah démontez-moi cette merde et installez-moi un mur en grillage alors. Clôture. Seulement en extérieur? Bon bah mettez-moi un mur en béton alors, on s'en bat les couilles. L'important étant de séparer Shanika et Pierre-Henri Tyrone. Voilà, très bien. Ok, de quoi vous plaignez? Closing. Qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, voyons voir ce qu'ils demandent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Régime, besoin. Gros besoin. Petit besoin. Nourriture, famille. Intimité, liberté. Vêtements. Spiritualité, littérature, produits de luxe. Je m'en bats les couilles d'eux. Famille. Ok. Et pourquoi ils peuvent pas appeler les gens? Voilà, moi je suis une... Très bien ça. Voilà, moi je suis une prison assez cool. T'as deux prisonniers qui ont fini leur sentence. Ah bon? Ah bon? Bah bon. Ah bon. Comment je vérifie ça? Pshit, Wilfried, barre-toi. Les téléphones sont en libre service, mais j'en sais rien.
Famille, c'est le parloir. Mais il y a un parloir! Juste leur famille qui viennent pas les voir. Moi, je m'en bats les couilles. Deux demandes de conditionnels. Mais je vais pas les relâcher, si! Puis des conditionnels, ça n'a rien à voir, en fait. Conditionnel, à un moment, c'est conditionnel. Voilà. Bon, ce qu'il nous faut, en réalité, c'est une petite infirmerie. Si on prend les subventions, combien vous êtes prêts à donner? Une infirmerie, allons-y. Allons-y, allons-y, allons-y. Ça va tout ouvrir, ça, n'est-ce pas? Ouais, ça va tout ouvrir. Ça fait 8 sur 8. C'est généreux, ça. Allez, c'est la générosité. Mais qu'est-ce que tu... Mais... d'isolement, allez. Allez. En tôle. Mais bon. Je me suis senti généreux. Mais qu'est-ce que c'est que cette sécurité? T'as pas remis de zone interdite. Alors, voilà. Bon. Bon. Bon, bon, bon. Très bien, c'est une nuit à jour en comptant ton compte. 1. Ajouter des capacités autour de ta centrale énergétique. Ok. Faire des fouilles de temps en temps via le bouton fait pour. Fouille générale. Fouille générale. On cherche les fions. Oh oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Marie? Ça va sur Facebook. Fouille générale du fion. Écartez les fions. Trois portables, j'ai bien fait. Ouais, c'est bon ça. Ouh. Ok. Réaction des gardes, d'accord. Très bien. Mais pourquoi il va pas se reposer dans la salle du personnel, lui? Sans blé couille. Tu vas pas me dire il n'y a pas accès, si? On ne sait pas. Thank you.
Deux demandes de conditionnel, on s'en bat les couilles. Infirmerie contre un moins deux médecins. Ça c'est alimenté en électricité. La porte de l'un de tes bureaux est bloquée par un bureau. Ah oui. Ouais mais il passe. Ça a pas l'air de dégénérer plus que ça si tu veux. Mais j'imagine que je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Très bien. Alors, comment faire pour gagner des subventions gratos? Attestation sécurité de base, dévorer patrouille, agréer 3 gardiens à des patrouilles. Alors, trois gardiens à des patrouilles. J'aimerais bien infecter les gardiens de la paix. Malheureusement, ah, tes prisonniers n'ont pas accès au téléphone dans la zone cour. Ah, ça expliquerait pas mal de choses. La cour. Bah oui, bah oui. Bon, on va augmenter un peu leur zone après. Il va être content, il va être content. Voilà. Super. Achèvement des subventions. Ok, donc ça veut dire que les patrouilles, elles ont marché, j'ai l'impression. J'ai rien compris comment ça marche, mais ça a marché. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Engager au moins deux médecins et construire une infirmerie. Alors ça, par contre, ça va être la difficulté. Allons-y. Infirmerie, 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 infirmerie. Buanderie, non. Atelier, paroi, entrepôt, cantine, cuisine, déchetterie, bureau, morgue, salle nettoyage, exportation, dortoir, cellule familiale, salle du courrier, admission. Merde, attends, c'est où? Exportation, bibliothèque, salle nettoyage. Putain, je la vois pas. Ah, infirmerie, c'est là, merci. Ok. Échec, lit médicalisé. Là, il s'agit de trouver... Ah, un lit médicalisé. Ok. C'est cher. Mais ils avaient aussi un autre truc, les toubibs. Ils avaient un autre truc, les toubibs. Qu'est-ce que c'était? Gratin Pundi. La table de consultation, des outils stériles, un bureau. Ah, bien joué pour le psychiatre. En patrouille, tu as affecté 50 gardes sur 5 mètres de patrouille. Ouais, c'est bien ce que j'ai cru comprendre, ouais. Tout va bien? Good. Ouais, c'est pour ça que j'ai eu les patrouilles, on s'en fout. De toute façon, je sais pas comment ça marche. Je préfère attribuer les gardiens à l'instinct, comme on dit. Ok, engager au moins 2 toubibs. Comment augmenter leur efficacité? Avec un bureau, j'imagine. Oh, l'arbre.
Très bien ça. Il me faut un bureau. Ils sont où les bureaux, putain? C'est tellement pas rangé dans le bon ordre. J'ai tellement foutu la merde en appuyant sur un bouton sans faire exprès, si tu veux. Où sont les bureaux? Je les vois pas. Je les vois pas, je les vois pas, je les vois pas, je les vois pas. Je sais pas où sont les bureaux. Je suis débilus. Débilus! Bon, en attendant, voilà une plante en pot. Merci, putain. C'est quoi ça, bureau de classement? Ok. C'est pour le courrier, le bureau de classement. Oh bah il est mis. Démontez-le. Démontez la chaise. C'est acheté. C'est acheté. Bon, maintenant je pense qu'on est... Est-ce qu'on est prêt pour les admissions? Non, c'est vrai, il me manque les tartes Wrangler. Voilà. Spécial renforcé pour s'occuper des criminels aliénés. 1, 2, 3, 4. Oh là 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 là, le Fantasio! Ok. Normalement, avec ça, on est prêt à s'occuper des débilus. Normalement, toutes les salles sont bien attribuées, là. Il y a les prisonniers. Normalement, ils ont accès là. J'en ai pas vu un seul venir, cependant. Est-ce que c'est parce que j'ai mis une porte de prison? Est-ce que c'était ça, l'erreur? Est-ce que je devrais pas mettre juste une porte? Parce qu'à ce compte-là, on s'en fout, c'est vrai. De toute façon, ils pourront pas sortir, là. Ok. On va faire une salle du personnel. T'es ouf, elle est parfaite, cette salle du personnel. Ils vont pas casser les couilles. Ils sont trop bien, là-dedans. Ok. Ils ont des télés, ils ont des canapes, ils ont des chiottes matelassées. Bon. Est-ce que vous pensez que c'est pas l'heure de se mettre grave dans la merde? Remplir jusqu'à 20, non. Ouf, remplir jusqu'à 20. C'est dangereux. Prochaine émission dans 5 heures. Bibilus, et je peux prendre peut-être... non, je peux pas en prendre plus. Ils veulent que m'en donner que 5. Eh ben écoute, let's go. Let's go. Dans 22 heures. Bon, ce sera la prochaine journée, je l'accorde. Mais... on va se mettre bien avec les débilus, hein. J'espère qu'ils pousseront malgré le fait que c'est enneigé, si tu veux. Ok, où en est la recherche? Est-ce qu'elle avance? Armurerie. Déployer des gardes armés. Oh, mais ça, c'est génial, ça. Les portes des accès à distance. Ça, c'est le futur. On veut... Oh, les chiens. On va faire des recherches. Ok, c'est bon. Les patates sont arrivées. C'est normal que les ouvriers se reposent jamais dans la salle de repos. Ils ont pas l'air, hein.
C'est très cher. Ajouter des capacitors, faire des fouilles de temps en temps, oui. 1000 bureaux et faire un max de recherche. Détecteur de métaux à chaque entrée importante, bloc, cantine, atelier, le SWAT, aiguille exogène, la carte spécifique armée de seringues, peuvent neutraliser les débilus, des sprinklers pour les feux, mais on s'en fout. La morgue, oh tant pis, travail des prisonniers, pour l'instant on va faire en sorte que les prisonnières veulent bien venir si tu veux. Pourquoi c'est sale partout? Ça recherche. Ça travaille dans la recherche. On perd beaucoup d'argent, paraît-il. Moi, je pense qu'au contraire, on est bien. Le temps passe à une vitesse folle, mais je suis confiant. Les débilus arrivent dans 3 heures. Hein. Un prisonnier doit être bientôt libéré. Ah oui, pour libérer un prisonnier, est-ce qu'il faut une salle spécifique ou pas? Est-ce que... Non. D'accord, très bien. Pense aux batteries. Mais non, regarde. Pas besoin de mettre plus de batteries là, ça tient. Si? Bon, on va mettre un condensateur en plus. Système de contrôle des portes, écoute téléphonique, minuterie de porte, pont logique, circuit logique, voyant d'état, plaque de pression, connecteur en géfil. Ah merde! Ça y est, c'est Factorio! Oh là là, et là vous comprenez pourquoi ce jeu avec son DLC et les fous de l'asile psychiatrique, c'est l'autisme pour vous et c'est le plaisir. Pour libérer un prisonnier, fait une salle de mise à mort, mais bien sûr, évidemment. Garantie. Hop, double condensateur. Ça devrait aller, on devrait avoir le jus. C'est bon, c'est bon. Cinq criminels aliénés. Hein. Ça va partir en sucette vite. Hein. Alors, est-ce que c'est une mauvaise idée de mettre une porte qui n'est réservée qu'au personnel, du coup? Oui, hein. Ça y est, ils sont là. Oh, ils ont une barre. Oh, ils ont une barre spécifique. Ça y est. Ça le gère. Venez, madame. Venez, madame. C'est pas la peine, madame. Respirez, madame. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Condamnée à 6 ans pour agression. A plaider non coupable. Ça bip déjà. Hein. Attends, si ça bip, elle va se faire examiner ou pas? Rassure-moi. Ça passe, ça passe. Venez, madame, faut pas rester là, madame. Rassure-moi, elle va se faire fouiller du cul. Voilà. Allez hop. Un marteau. C'est rien, madame. On va peut-être prendre un tard Wrangler en plus quand même. Hein. On sait jamais. On sait jamais. On peut en être bête 9. Est-ce qu'on a la place pour en être bête 9 en plus? Oui, hein. On a la place là. Allez! On les prend! C'est parti! Et là, on va tester les limites. Tous les repas sont prêts. On va prendre un cuistot en plus, je pense. Avec une cuisinière.
Et un frigo. Voilà. La cuisinière, si je me souviens, elle a besoin d'électricité. Elle a besoin de jux. Donc on y met du jux. Le frigo aussi, il a besoin de jux? Ouais, mais le frigo, il est installé sur le jux. Ça va. Excellent. Voilà, avec ça, les repas devraient être prêts. Tout devrait être calculé. Ils sont dans leur prison et ils ont leur petite barre, hein. Fort, stoïque, criminel aliéné, dépressif, hyperactif et psychopathe. Sandy! Condamné à 2 ans pour piratage de jeux vidéo? À 63 ans? Oh la criminelle! Oh la vache! Putain, mais... Pourquoi les portes des cellules sont ouvertes? Parce qu'elles ont, elles ont, elles ont, elles ont, elles ont, elles sont en free time, je pense. Elles sont en temps libre, elles sont en temps libre. Elles sont en temps libre. Bon. Les détenus criminellement aliénés ne peuvent pas participer à des phases de travail. Ah! Une buanderie, c'est pas mal ça. Donc si je fais ça, ça va détruire le mur. On verra bien, écoute. C'est bien ce que je pensais. J'ai pas encore bien compris comment ça marche, hein, je dois vous l'avouer. Hein. Bon, enfin, c'est pas très grave. Buanderie. Buanderie, 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 buanderie. Voilà. Un lave-linge, un panier à linge et une planche à repasser. Trois lave-linges. Planche à repasser avec une petite planche à repasser sur le côté plus discrète et panier à linge. Voilà, une lumière, pas besoin de plus. Impeccable. Super. Et donc pour ça, il faut que j'engage Ah, le concierge s'en charge. Le concierge s'en charge, très bien. Donc pour ça, il faut que je leur dise que vous avez... De 6h à 7h, vous avez travail temps libre. Et vous, vous avez cellule. Ou temps libre. Ou temps libre. Super. Plus qu'à connecter tout ceci à la flotte. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Ah, c'est les bailleurs, tout va bien. Très bien. C'est comme fille la neige, hein. Moi j'aime bien la neige. Ok, alors comment que tu te sens toi? Oh, c'est tout ça, ça blanchit. Besoin, liberté, statut, maté. Criminel aliéné, insomniaque, extrêmement instable. Ouais, c'est elle qui a fait l'agression. Hein.
Et lui, il a besoin de vêtements. Mais ça va bien se passer, il y a une buanderie maintenant. D'ailleurs, à ce propos, il y a une buanderie, mais voici un nouveau concierge. Voilà, dites bonjour à Jean-Bernard. Ah bah ça bip. Ça bip, ça bip. Apparemment, il y a des choses dans... Qu'est-ce qui se passe? Et t'as agité. Calmez-vous, madame. Calmez-vous. Calmez-vous, madame. Merde. Bon, elle est de bonne humeur. Elle est de bonne humeur. Comment on règle... Comment on règle le fait qu'ils aillent voir le psy? Où est le psy seulement là? Bon, il l'a ramené dans sa cellule. Ok, elle aussi elle est dans sa cellule, donc tout va bien. Ça mange, c'est l'heure d'aller manger, elle a la faim. Hein, le psy est là. Ajoutez les séances de consultation psychiatrique via le menu programme. Sûreté et sécurité à l'atelier, non. Sabrité et hygiène culinaire, non. Français Jominerie, non. Traitement de la toxicomanie, non. Audience de collisionnel, non. Guidance spirituelle, non. Consultation psychiatrique. Voilà. Je mets des consultations psychiatriques disponibles entre 6h et 7h du mat. De la guidance spirituelle. Audience de conditionnel. Agent de conditionnel dans salle de conditionnel. Avocat de conditionnel. 4h. Date de le parloir. Dès que 50% de la peine est épurgée. Embauche de l'extérieur possible. Place assise d'élèves nécessaire. De se tenir dehors des heures de travail, place assise de formateur nécessaire. Ok, je comprends rien, c'est pas grave. Traitement de la toxicomanie, je m'en bats les couilles. Sécurité et sûreté à l'atelier. Putain, je m'en fous. Y'a personne qui veut faire. Hygiène culinaire, salubrité. Chaque prisonnier a besoin de cuisinière. 5 places, 2 séances. Bah allez-y. Voilà, s'il y a des intéressés, tant mieux. Apprentissage de la menuiserie, non. Thérapie comportementale. Menée par psychologue dans bureau. Non. Il n'y a personne qui veut faire Bob la liste. Travail des prisonniers. Bah, c'est ce que je fais là. Programme toxicomanie. Comment ça se gère? Mené par médecin dans l'infirmerie. Ah, bah c'est fastoche ça. Allez hop, ça c'est gratuit. Et enfin, mettre des horaires différents pour tous les types de détenus. Risque de tatakai assuré en m'aidant des détenus. D'accord, je vois. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire. Admission prisonnier, personnel, non, admission. Voilà, les prochains fous arrivent. Ils vont être 9. Ça va être la merde. Mais ça va bien se passer. Régime. Alors, sommeil, 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 sommeil. Cellule, cellule. Douche, douche. Douche, douche, cellule. Cellule, repas. Merde, repas. Repas. Temps libre, c'est là que ça va t'attaquer, hein, je pense. Hein. Repas et cellules.
Allez, je garde un point de friction à la fin. Je garde un point de friction à la fin pour que ça se tatakaille si jamais. De toute façon, ils sont surveillés par leurs wranglers. Hein. Voilà. Ok, la bonne nouvelle, c'est que ça a l'air de bien se passer. De quoi vous plaignez? Privacy. Bah oui, mais en même temps, voilà. Hein. En même temps, fallait pas faire de la merde. Hein. Pour aller en prison, c'est sûr que vous allez devoir faire caca devant tout le monde. Eh oui 22 ans pour avoir tiré à quelqu'un dans l'œil. 15 ans pour crimes multiples, parjure, homicide, et 8 ans pour désordre violent. Non mais voilà. D'ailleurs, tiens, petite fouille. Allez, petite fouille de la cellule. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Ah, ça a Z-Clean. Ça a Z-Clean. Ce qu'il faudrait, c'est éclairer dehors, hein, parce que je reconnais, côté éclairage, c'est pas là. Je reconnais avoir peu éclairé les entrées. Voilà. Impeccable. Voilà, très bien ça. Petite installation électrique supplémentaire fera en sorte qu'on y verra peut-être un peu plus. On y verra un peu plus clair, déjà. Ce sera pas plus mal. Tenue de prisonnier. Bah voilà! Voilà! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi j'entends des bruits bizarres ici? Ça demande une petite fouille des cellules, ça! Écartez les fions! Une seringue, hein? Ou de la drogue! Et voilà. Impeccable. Bon, on est 10 flics. Pour 18 prisonniers. Est-ce que les nouveaux prisonniers sont là? Débilus sont là. Alors les débilus, en attendant, restez sages. On prépare vos chiottes, hein. Ne bougez pas, respirez. En espérant que j'ai assez de cellules pour tout le monde. Dis-moi que j'ai pas assez de cellules pour tout le monde. Mon Dieu, il manque des cellules. À qui sont ces cellules? Tout le monde en tôle! Tout le monde en tôle! C'est bon? Capturez-la!
Elle est pas conciliante! Ah, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, très bien. Ok. Pièce. Cellule matelassée. Voilà, très bien. Fin de l'atoll. Voilà, et maintenant vous avez tous une cellule. Fantastique. Bon, elle m'inquiète, elle, hein. Elle m'inquiète, hein. Bon. Pour l'instant, ça a l'air de se gérer. Hein. Il est fun ce DLC. Hein. Refuse les suivants dans le doute. Oui, tout à fait. Ouais. Calmons-nous. Fragile, insomniaque, aclo, claustrophobe, psychopathe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Falsification comptable. 6 ans. Mais à quel point t'as falsifié? Corruption, contrefaçon. T'as fait la max. Pigeon, qu'est-ce que t'as fait? 10 ans et possession et intention de vente. D'accord. Cadwell, crime multiple, homicide, conduite dangereuse et parjure. Nourrissez-vous les débiles. Allez, 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 allez. État instable. Au secours, on peut pas l'envoyer chez le psychiatre? Comment on fait? Trois en attente. Ok. Ok. Pas de salle disponible, ok. Guidance spirituelle. Merde. Guidance spirituelle. Il nous faut une chapelle. Il nous faut une chapelle. Vite. Est-ce qu'on peut créer une église rapidement ou pas? Merde, non, hein. T'as qu'à l'enfer. Si je fais juste des murs, ça devrait aller, hein. Ouais, ça devrait aller, allez. Fais juste des murs. Il nous faut une porte. La maison de Dieu est constamment ouverte à ses agneaux. Gloire à sa parole. Gloire à sa pensée. 6 x 6. Merde, c'est pas assez. Putain. Annulez tout. Attendez, j'étais en train de penser à le mettre dans les douches. Genre, tu connectes la porte à la chapelle dans les douches. Car l'agneau du Seigneur est venu nu en ce monde à son image et il lui dit: ne crains pas ta nudité, mon enfant, car... Agrandis ta clôture. Mais non, mais non, mais non. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Car on va leur faire une giga chapelle. On va leur faire une Dave chapelle, ils vont pas comprendre, si tu veux. Garde l'astuce. Garde cette astuce.
Génie! Et voilà, aucune. Avant qu'ils s'en rendent compte, hein. C'est bon, c'est pas le temps de s'en rendre compte. Ouh! Voilà. Garde-moi ce travail. Regarde-moi ce travail. C'est de l'orfèvrerie, ça, madame. Bon, on va y mettre le paquet. Je peux pas? Parce qu'on est en extérieur à cause de ces fondations de merde. Mais si je fais les fondations, ça va me baiser tous mes murs. Sauf si je fais comme ça, en fait. Ça devrait aller, là. Gazon, j'avoue. Bon, ils ont où les tardes Ah putain, attends, qui a pu parler? Vous avez pu parler avec le psy? Ouais, ça a l'air d'avoir pu parler avec le psy. Ou quoi que elle va péter, Caldwell, hein. Est-ce qu'on peut gérer Caldwell ou... En tout cas, j'espère qu'elle a le temps entre 6h et 8h. Est-ce qu'ils ont seulement la possibilité d'aller... Non, ils ont pas, hein. Sept, huit heures. Il faut leur mettre temps libre. Là, je leur mets le matin. Et c'est l'après-midi. C'est le soir, Bob. Comment ça? Ah, merde! 6h, 8h du soir. D'accord, tout est là. Merde. Bon, bah... D'accord, je vois. Vous avez une heure de repas, une heure de douche. Cassez-moi pas les couilles. On peut gérer la douche le matin, du coup. Bon, les débilus, je leur laisse vachement de temps libre, hein. Parce que sinon, bon, bah voilà. Et du coup, ils auront l'occasion d'aller participer à tout ce qui les intéresse, si tu veux.
et ne peuvent participer qu'à des programmes pendant les périodes de travail. D'accord, tout s'explique. Programme ou temps libre. Ok. D'accord, et là je leur ai attribué un programme du coup. Ok, normalement ça devrait bien se passer, ça devrait bien se passer. Là je prépare une chapelle mon gars. Nécessite une entrée, merde. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on est à l'infirmerie. Elle est là à l'infirmerie. Voilà, promenez-la, promenez-la. Sommeil, repas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal réglé encore dans mes horaires? Ouais, sommeil pour eux, repas pour elles, et elles, du coup, elles peuvent faire leur fameux travail temps libre, voilà, plus longtemps. Ok. Passe 2 heures en cellule. Petite heure en cellule, c'est juste pour les garder frais, si tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est bon. Niveau de sédation. Ah oui, c'est ça! C'est ça, elle est en train de se faire attaquer par les... Tout va bien. Vous savez quoi, la situation est sous contrôle, hein. J'aurais pas cru. J'aurais pas cru. Mais la situation est sous contrôle. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce t'as fait? Qu'est-ce t'as fait? Bah, ils t'ont mis en zonzon direct. Bref. Les gens qui sont dans la résine de la baston sont confinés. Les médecins vont dans la cellule pour la soigner et éviter d'autres problèmes. D'accord. D'ailleurs, à mon humble avis, je peux régler cette pièce comme étant une pièce à débile. Hein. Voilà. Honnêtement, ça me paraît être le plus intelligent. Nécessite une entrée. C'est toujours pas construit, ça? Je bricole. Ok. Ça a fait à peu près ce que je voulais. À peu près. Hein. C'est pas exactement ça, mais you know what? Good enough. Good enough. Good enough. On va pas se plaindre. Ok, donc là, on va mettre la max. Hein. Des bancs, un autel et un tapis de prière. Ok.
Bien sûr, il a fallu que ce soit la version chiante. Sachant que le nord c'est ici, on va le tourner vers l'est. Alors on le met dans le coin là. Voilà. Va dans le coin. Au coin. Dégueulasse. On va pouvoir remettre un panneau qu'indique la mec. Super. Peccable. Alors on me dit c'est pas parallèle. Ouais, mais en attendant, ça pue le style. Voilà. Voilà. Alors maintenant, qui nous faut pour faire la messe dans les programmes? Idée en spirituel. De 6h à 10h du soir. Maintenant, vérifie les programmes de liberté des gens. De 6h à 8h du 10h du soir. Eh ben je mets le repas. Allez. Eh bien, vous savez quoi? Ça va en fait. Hein. Alors ça, non, ça c'est pas acceptable. Hop, top, top, top. Petite administration de drogue, vous avez vu? Il lui court après avec la seringue. Elle s'est bien cognée contre l'arbre. Allez, douchez-vous. Voilà, on vous mate. Vive les caméras. Zéro intimité, tout est uploadé sur internet. Il y a pas de mauvais pro, il y a pas de petits profits. Attendant, eux, ils sont très ravis d'être juste en présence d'assassins et de meurtriers si tu veux. Mais au moins c'est des gens un peu civilisés. Bon, 3 employés sont épuisés et 3 se reposent. Bah voilà, voilà, ça fait le taf. Et bah vous savez quoi, ça tourne, hein. Ah merde, il n'y a pas de lumière. Ça et une petite caméra de surveillance de Jésus. Qu'en pensez-vous? Voilà, le petit regard du Christ pour être sûr que ça se passe bien. C'est bon, la cour est dégueulasse, c'est vrai. Il est peut-être temps d'engager un charnier supplémentaire. La petite caméra du Christ. La petite caméra du Christ.
Voilà. Vous êtes sûr qu'on n'a pas besoin d'engager un vicaire? Moi, ça me dérangerait pas, hein. Je trouverais ça ultra stylé en vrai. Il te faut un moniteur en plus? Combien il y a de moniteurs là? Non, regarde. Non, impeccable. Regarde ça. Ça tourne. Quatre prisonniers demandent la conditionnelle. On fait pas ça chez nous, hein. On est d'accord qu'on fait pas de ça chez nous. Là, c'est là, ça bouffe. Ça bouffe, ça bouffe. Les Wranglers sont prêts avec leur petit pistolet hypodermique à mettre une petite seringue à celle qui pèterait un petit peu plus haut que ces brousoufs. La santé mentale a l'air de bien se passer. Ça a l'air de se tenir, hein. Ça se fait, hein. Par contre, personne ne profite de cette salle de jeu et j'en suis très très triste. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que ça les empêche de profiter de cette salle de jeu? Qu'est-ce qui les empêche de profiter de cette salle de jeu? La salle de jeu est sans lumière, pas top. Mais si, elle est bourrée de lumière, la salle de jeu. C'est juste qu'il n'y a personne dedans. Vous voyez, la lumière est là, hein. C'est juste qu'il y a du brouillard de guerre, les enfants. Là, c'est éclairé aussi, hein. Pas accessible, Bob. Comment ça? Autorisation de la salle commune. Comment on gère ça? De quoi vous me parlez? Des restrictions. Vous savez, c'est accessible. Elle n'est pas accessible. Putain. Ils ont du temps libre à plus savoir quoi en foutre. Est-ce que quelqu'un sait? Elle des criminels aliénés. Construisez une M pour 10 cellules matelassées, 10 criminels aliénés, 2 psychiatres. Ah merde, ça j'ai pas. Alors, L cellule sec, c'est quoi ça? Ah, sécurité, d'accord. Est-ce qu'elle est en zone libre, la salle de jeu? Bah, j'ai l'impression que oui, regardez. Secteur partagé. Tous les prisonniers pourront entrer dans ce secteur. Oui, enfin. Regarde sur temps libre, on voit bien que la salle ne s'illumine pas comme avec les autres pièces. Ça s'illumine quand tu vas sur ça? Non, c'est le curseur qui est derrière, tu vois, qui fait que ça s'illumine. C'est une feinte. C'est une feinte, c'est une feinte. Et faire d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire? Triangle. Oui, c'est la hype. N'oubliez pas, hein, le DLC est sorti, vous aussi pouvez jouer à Prison Architect. Hein. Voici le lien de la to-do list et des conseils à viser. Mais je suis dessus, déjà. La salle est sûrement trop petite, non? Mais il y a une limite aux salles de repos?
Voilà, j'ai remis la porte. Pas toute simple. Merde alors. Ah oui, il faut savoir que le jeu est gratuit durant le week-end. Hein. Vous pouvez jouer à Prison Architect gratuitement ce week-end. Alors ça par contre, c'est l'heure de l'inspection, madame. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a sur vous? Qu'est-ce qu'il y a sur vous, madame? Oh là là! Il a rien trouvé! Il a rien trouvé! C'est l'heure de la fouille générale! Inspection des fions! Écartez, madame! Ouh! Eh ben! Ça en faisait du newf, hein? L'autre bouton fouille les toilettes. D'ailleurs, ouais. Recherche de tunnel en cours. Qui c'est qui a creusé? Personne? 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 Mais vous avez été sage. Impressionnant, impressionnant. D'ailleurs, parce que vous l'adorez et vous m'avez motivé à le faire, il est où? C'est l'heure de votre mini-jeu préféré, le détecteur de métaux. Moi, perso, ce détecteur, je l'adore. Je sais pas vous, mais pour moi, grand accomplissement de l'humanité. Alors là... C'est la max, hein, comme ils disent. S'en faites pas, ce sera fini d'ici demain. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah, ça veut pas rentrer dans ça veut pas rentrer dans sa caserne. Eh ben oui. Eh ben oui. Voilà, très bien avec ça. On a ici une courte explication pour la patrouille. Bon, on s'en fout. Sniper et Watchtower, un magasin. Faire des fouilles de temps en temps. Je fouille les fions. Gérer les besoins des prisonniers vers la catégorie dans le menu. On s'en fout. La morgue, ça peut aller très vite. Patrouille de chiens autour des cellules. Ajouter un deuxième psychiatre et ajouter des créneaux de consultation. Un deuxième psychiatre, je veux bien. Ça va bien. On va mettre un deuxième psychiatre, mais c'est pour faire plaisir. Oh putain, carrément dans les camisoles. Hein. C'est pour votre propre bien, madame. Hein. Falsification comptable, c'est camisole. Hein. Piratage de jeux vidéo. Hein. Camisole. Hein. Direct. Hein. Alors, voyons voir. Oui, le soul rouge, oui, très bien. Petite moquette. La psychiatrie. Psychiatrie, psychiatrie. Bureau du psychiatre. Voilà, très bien. Un bureau, chaise, fauteuil en cuir, tabouret en bois, canapé en cuir, classeur. La chaise.
fait voir, j'ai mis un canapé en cuir, mais l'autre il a quoi là en bas? Ah, c'est ça, juste un truc comme ça, ok, très bien. Oui, donc votre père vous touchait. Je vois. Je vois. Très bien. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est des plantes. Oui. Et la petite lampe. Voilà. Belle installe. Qu'est-ce qui se passe? Rapport d'incident. Deux attendent d'être en isolement. Bon, bah, ils attendront, si tu veux. On les mettra en isolement. On les mettra, tu vois. Je suis pas inquiet, je suis pas inquiet. Alors, ce psychiatre, pour l'instant, est très malheureux. Mais ça vient. Voilà, ça y est. Visiteur. Un visiteur en un groupe de 08h à 20h. Oh, le visiteur! Oh, il vient voir sa petite amie. Oh, l'incel. Le mec, la seule gonzesse qui peut pécho, c'est une qui est déjà en prison, qui peut pas fuir. Petite amie de Pramanik. C'est qui Pramanik? Putain. Je ne sais pas qui est Pramanik, c'est l'inquiétude. Je ne vous le cache pas. Il va attendre longtemps. Pramanik. Ah, c'est uniquement dans son temps libre qu'elle a le droit d'aller le voir, c'est ça? Mais elle est pas en temps libre, là? Elle a l'air peu intéressée par son petit ami. Hein. Petit ami s'est cassé. Il s'est barré, écoute. C'est soit la cour, soit la douche, Bob. Douche au cours, ouais. J'imagine qu'on peut leur accorder du temps libre. Hein. Après tout, aucun intérêt de les garder enfermés en cellule pour rien. Très bien. Et les tensions. Quelqu'un joue ou pas? Est-ce que c'est parce qu'il y a une borne d'arcade? Ça vous intimide? Voilà. Pareil pour le distributeur à boissons, ça se trouve c'est des trucs trop level si tu veux. Elle est en attente d'isolement libre, mais les isolements sont tous en aliénés, merde. Bon, très bien. Voilà. Quelqu'un va bien penser à la foutre en isolement un jour là, si? Bon, j'ai mis un terme à la sanction. Elle était assez punie. Voilà, elle appelle son petit copain qu'elle a pas pu voir aujourd'hui. Impeccable. Et donc personne n'utilise cette salle. C'est la porte jaune, il y a des restrictions dessus? Non? Verrou ouvert. Supprime la zone et remets-la, peut-être, hein?
Oui, c'est instantanément valide. Ah, elle est en psychiatrie. Au moins, ça, ça a le mérite de marcher. Salle commune, c'est pas pour les employés. Non, un endroit où vos prisonniers peuvent se relaxer tranquillement. Moi, je me demande. Peut-être c'était ça, hein. Peut-être pour une raison qui m'était obscure. Peut-être que pour une raison qui m'était obscure, elle refusait de rentrer parce que c'était pas en intérieur. C'est plus une salle de douche, non, mais c'est vrai que. Ça va bien. Tout va bien? Il faut y aller au lit? Oui, bien sûr. Eh bien, écoute. On va juste voir ce que ça donne avec une douche. Si oui ou non, ça déborde. Si ça déborde, je rajouterai des grilles, écoute, hein. Du coup, ça coûte rien. Il y en a qui refusent de se laisser mettre en cellule d'isolement. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. On a une buanderie, on a une infirmerie, on a une psychiatrie. C'est la folie, hein. On a tout ce qu'il faut. Qui se met avec le directeur, très bien. Rita la directrice. Impeccable. Regardez ça. Regardez ça, ça tourne. Par contre, ça me vexe que la salle de repos, elle marche pas, si tu veux. Voilà. Personne épuisé, rapport d'accident, il y en a un qui attend d'être en isolement. Eh ben, il y a la place. Il y a la place. Deux visiteurs en deux groupes. Eh ben, ils vont attendre gentiment. Avocat de Stoneman, mari de Sandy. Voilà, voilà, regardez ça. Regardez ça. Incroyable. Quoi, ça frite? D'accord. Les deux tartes Wrangler, là, j'ai besoin que vous veniez. Est-ce que vous pouvez gérer la débilus?
Ok, la salle commune a l'air de pas marcher. Hein. Je sais pas pourquoi. J'aurais bien voulu savoir. C'est dommage. Hein. Mais ça marche. Sinon, pour une prison, ça marche. Hein. Hey. 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 C'est dans le planning, non? Estimation. Au moins 20 prisonniers pour pouvoir vendre. Merde. Putain. Il faut vendre. Ils viennent que par 3. Quel enfer! Quel enfer! On pourra pas vendre. Bon, écoute, fouille générale! Ouvrez les fions! Oh, une scie! Des médicaments. Recherche de tunnel! C'est invasif. Mais après le coup de la scie, on n'est jamais sûr. Et c'est propre, félicitations. Ben voilà, ça tourne. Et ben voilà, Prison Architect, braves gens, disponible durant tout le week-end sur Steam, gratos. Le DLC vaut 6 balles, mais honnêtement, avant même de vous occuper de nos amis les pirates de jeux vidéo, ou les falsificateurs de comptables, alors que c'est des psychopathes, criminels aliénés, des ordres violents. D'où Jésus, la violence de ces gens. Voilà, 2 ans de piratage de jeux vidéo à 63 ans. Mamie a piraté Rayplay. Et après... Ouais, tiens, pour la peine. Hop, fouiller prisonnière. Fouiller prisonnière, qui c'est qui s'en charge? Allez, mamie, hop, hop, écarte les fesses, là. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est Skyrim. N'hésitez pas, en tout cas, à choper le DLC... Disponible bien sûr dans la description du chat. !IG pour l'amour, brave gens. Hein. Le jeu est disponible durant tout le week-end. Faites-vous plaisir. C'était une OPSP et pourtant c'était fun. C'était fun. J'avoue, on a galéré. Je m'excuse. Hein. Je m'excuse. C'était la galère. Mais regardez ça. Regardez ça. C'est une abomination. Mais ça tient. Ça tient. Ça tient. Regardez, j'ai même la place pour un deuxième contre-maître. Oh là 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 là, qu'occupe son propre bureau. Si ça, c'est pas le luxe, je sais pas ce qu'il vous faut. Je sais pas ce qu'il vous faut. Piratage de Country Crush. Ah, mais c'est garanti. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas un vicaire. Oh si! Wouah, le rabbi! Il y a un rabbin et une musulmane dans la même pièce. Sauf qu'il y en a un, c'est un psychopathe. Tout ceci me paraît risqué, madame le juge. Tout ceci me paraît terriblement risqué. Au moins ça marche. Au moins ça marche. Ils vont chez le psy, mais ils refusent, quoi qu'il advienne, de jouer au billard ou à des jeux vidéo, braves gens. Et après, ils se plaignent, ils n'ont pas de luxurise. Voilà. Ils ont aucun luxurise. Et moi, je suis là, mais... Que voulez-vous que je fasse? Que voulez-vous que je fasse? Très bien, très bien. Impeccable. Impeccable. Programme, temps libre. Non, mais je pensais que ça marcherait, hein. Tu vois, programme et temps libre, mais... Sommeil. Il y a beaucoup de besoins de sommeil, mais c'est normal, c'est la fin de la journée. Produit de luxe. Oh bon bah ça va, ça va. Un magasin. Ah ouais, d'accord, ils en peuvent plus. Ils ont pris leur désir pour des réalités. Le prêtre s'est barré. Bon bah très bien. On va faire la même chose. Super. On va prendre 4 mecs basse sécurité. Ça devrait bien se passer. À risque faible, prisonnier Toto. On n'a plus qu'un seul prisonnier total à risque faible. C'est Ashley. Elle a 19 ans. 7 ans pour Russell. Elle baisse les yeux. C'est pas une psychopathe. C'est juste une gentille fille. Hein.
qui a fait l'excuse de Jawad, hein, qui était là, mais je savais pas, c'était des armes pour terroristes. Et malheureusement, c'est pas passé, si tu veux. Tout le reste, ils ont littéralement une petite barre pour indiquer à quel point ils sont prêts de tuer ta famille. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Enfin bon, la buanderie aussi, ils y ont pas accès. Personne n'a utilisé cette buanderie, n'est-ce pas? Absolument personne n'a utilisé cette buanderie, n'est-ce pas? Je construis des lieux, mais les gens s'en battent les couilles. C'est pas grave. C'est pas grave, la pauvre meuf qui se retrouve avec toutes les lesbiennes psychopathes, bah oui. Et surtout une vieille de 63 ans qui la mate sous la douche et qui lui dit Tu veux Candy Crush? Inspection générale, ouvrez les fions. De la drogue, si vite. Un téléphone portable, Candy Crush, mamie. Ah bah oui. Impeccable. Bon, si le pire qu'on ait pu trouver, c'est une seringue et un téléphone pour jouer à Candy Crush hacké, je pense que on est pas mal, brave Jean. On est pas mal. Voilà. Dans tous les cas, c'est la fin de ce live. Je sauvegarde et je vous fais de gros bisous. Bah alors, enculé. Enculé. Voilà. Pas mal. Voilà. Sauvegarder. Excellent. Voilà. De gros bisous à tous. Merci infiniment. Et à la prochaine. Allez, zou, point d'exclamation IG et butez-vous sur le jeu. C'est ça qui est bon.
My unveiling. I will be exposed to the entire world. When the time of the prophecy comes, when all is revealed, then the people of the world will rejoice, already knowing who I am. Call me Lord and turn to harmony. Seraphic wings! My perfection does not require any training.